Bonjour, bonjour à tous. Alors, on est jeudi 28 février 2019, dernier jour de mois de février, et il est 9h33 en France, 8h33 UTC. Alors, on va se concentrer quelques instants et essentiellement sur ce qui se passe en France, parce qu'il y a quand même certaines choses qui sont assez perturbantes, pour ne pas dire troublantes. D'accord. Donc, je vais commencer avec ça, si vous le voulez bien. Avec ça. Alors, hier, on s'était quitté ici. Là, 9h06 et 9h03. Donc, j'attendais une confirmation. Et effectivement, c'était des tirs de carrière. Il y en a eu deux. Hein? C'était pas un 3.0 à côté de Chaumont, on en est loin. Hein. D'accord, donc tir de carrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je les compte plus, il n'y a que ça. Voilà. Alors, c'est un truc assez marrant. Donc, on va parler de celui-là si vous voulez bien. Hein, si tu veux bien, regarde celui-là, donc Haguenau, 4h50 et 41 secondes, donc hier le 27 février. Pourquoi celui-ci? Parce que ils nous ont fait une petite blague. Bon, j'aurais pu aller tout de suite dans mon bureau. Alors, on va regarder ça, si tu veux bien. Donc là, tu vois, Haguenau, donc validé en séisme. D'accord? Mais le problème, c'est que auparavant, mince, c'est pas celui-là. Si, il est là, pardon. Et il avait validé en tir de carrière à 1.3. D'accord? Voilà. Le 27 février, 4h50, 41 secondes. Haguenau, 1.3, validé en tir de carrière. Hein, ici. D'accord? Mais peu de temps après, ils ont dit, oh ben non, c'est 1.8 et c'est un séisme. Pourquoi pas, hein? Bon, par contre, là, a priori, officiellement, il y a quand même pas mal de belles secousses, hein, 3.5. Mais là, bon, on est dans la Méditerranée, là. C'est peut-être. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. 3.8, là, c'est en pleine terre, pas loin de Londres. Là, une explosion à Toulon, donc c'est la base militaire. Ok. On va fermer ça. Ah ouais, non, tiens, c'était quand ça? Cette nuit. Donc, conditions géomagnétiques actives. Pour ceux qui ont la chance de voir des aurores boréales. La vitesse du vent solaire était de 504 km par seconde et la force du champ magnétique était modérée. Bon, voilà, moi quand je vois des encadrés comme ça, jaune, orange, rouge, c'est. Voilà. Faire un petit peu attention. Ok, on va poursuivre rapidement sur les événements en France. Donc, tu remarques quand même pas mal de tirs de carrière. Donc, ceux-là, hein, ils sont passés de 3.0 à 2.0 ou 1.7 et tirs de carrière. Ok. Donc on les recomptabilise si tu veux bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Rien que ça. Et c'est pas terminé. Hein. 15. Alors, on va se préoccuper de celui-ci. Parce que, en fin de compte, il est intéressant. Parce que c'est pas le premier hein, dans le coin. Et c'est pas la première fois qu'on a une explosion près de Dieppe.
Donc on va regarder ensemble, hein, si tu me crois pas. Explosion. Donc on va vite faire regarder. Non, ça c'est Toulon. Touloulou, tout, tout. Explosion. Dieppe. Donc le 24 février. Ce matin, le 28. Là, on en a eu deux le 23. Là, on en a une le 22. Bon, ok. Donc là, d'accord, on s'aperçoit des explosions. Hein. Donc c'est officiel, hein, d'accord. Donc, ouais, moi, je veux bien le croire. Hein. Par contre, ce qui serait, ça m'étonne toujours autant, c'est que ça apparaît sur le site de MSC. Ah oui, l'Islande. Tiens, on y retournera un petit peu parce que ça bouge pas mal là-haut. Hein. Ce qui serait sympathique, c'est que eux nous donnent plus de données. Mais bon, ils ont pas envie. Alors, on reprend celui-ci. Ok. Donc si tu veux, je ferme l'onglet là. J'ouvre le celui-là là. D'accord, le réseau national de surveillance sismique. Ok, donc je n'invente rien, hein, tu vois bien. Hein. Je suis pas là à raconter des conneries, c'est pas dans mon intérêt. Oh bah tu vois, ils ont rétrogradé. Déjà. Bon, une explosion. Ok, moi je vois bien, hein, d'accord, y a pas de problème. Par contre, ce qui est assez troublant, c'est que quand tu pointes précisément. Et bah, ce qu'il y a de bien avec EMSC, c'est que eux, tu peux zoomer à fond et tu vas t'apercevoir de certaines choses. Par contre, ce qui est con, c'est qu'il n'y a plus de plein écran. Bon, ça, c'est pas grave. Jusque-là, tu vois bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc, tout ça, ce sont des explosions hein, validées par. Le réseau national de surveillance sismique. D'accord. Bon. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Seulement, je ne me rappelais pas, mais c'est un centrale nucléaire. Il y a une centrale nucléaire ici. D'accord. C'est écrit en gros, hein, centrale nucléaire de Penly. Centrale nucléaire de Penly. Alors, j'aimerais bien avoir quelques informations supplémentaires concernant ces explosions. Qu'est-ce donc? D'accord? Tu vois bien, hein, on n'est pas très loin. Il y a quoi là? Bah, de toute façon, à chaque fois, on n'est pas plus. Pas plus loin que 15 km. Donc on va le refaire. Donc centrale nucléaire de Penly. Voilà. C'est assez troublant. Je t'avouerai que ce matin là, en préparant la vidéo, parce que je l'avais pas fait auparavant, je t'avouerai que ça me fait un petit peu peur quand même. Hein? Centrale nucléaire. Centrale nucléaire en tant que telle, voilà, ça me fait pas peur, tu vois. Mais ce qui me fait peur, c'est que pas loin. Alors on est à quoi là? Tu vois bien, 500 mètres. Il y a un kilomètre. Hein? D'accord? Il y a des explosions. Des explosions. Explosions. Hein. Explosions. C'est quand même étrange parce que eux, ils te donnent 7h57 et 3 secondes. Mais eux l'ont validé 7h57 et 1 seconde. Ok.
Voilà, c'était tout concernant ces explosions qui sont pour ainsi dire aux portes d'une centrale nucléaire. Donc tu remarqueras en même temps que ça, ils ont diminué, hein, ils ont rétrogradé. Voilà. Ils ont du tir de carrière de point de vue en Allemagne. Ok, petite secousse Briançon. Une en Italie. Tir de carrière en Allemagne. Une secousse en Suisse. Et puis du tir de carrière. En veux-tu, en voilà. Tac 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 tac. Voilà. Donc je t'avouerai que c'est assez troublant d'avoir des explosions à deux pas d'une centrale nucléaire. Explosions que eux considèrent comme des secousses sismiques. Moi je veux bien l'admettre, hein, mais je trouve ça assez bizarre. Ok. Bah, je ferai une vidéo plus tard concernant l'Islande, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, à mon sens. On est où là? En vitesse, hein. C'est juste pour jeter un petit coup d'œil. On est au-dessus. On est au-dessus. Donc là, il y a eu le gros. Dans les 7 derniers jours, là. 4,5, 4,2, 4,5. Et là, on a deux secousses. L'une à côté de l'autre. Espacées de combien? 5, 6 minutes. Et la même puissance. Même magnitude, hein, 4,4. Donc je ferai une vidéo un peu plus tard. Parce que l'Islande, il y a des secousses sur leur site islandais. Qui n'apparaissent pas sur le site EMSC. Pourtant, les magnitudes, elles avoisinent les 2,3, 2,4. Mais enfin, vous verrez tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, donc là on regarde une dernière fois. Et des explosions au pied d'une centrale nucléaire. D'accord? Des explosions. C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques officiels. D'accord? Voilà. Allez, je te dis à plus tard. Et puis bah, merci de partager et puis de mettre des pouces en haut. A plus. No.